Servine Joseph, je travaille pour Vision 2000. Question de gain rapport avec l'éducation. Nous apprenons que vous avez un projet pour faire prélèvement. Nous apprenons que vous avez un projet pour faire prélèvement sous transfert l'argent qui a sorti dans le pays étranger avec son appel international en faveur de l'éducation. Moi, je connais, est-ce que vous avez parlé avec diaspora dans ce sens-là? Et puis, est-ce que vous avez déjà contacté un représentant compagnie téléphonique qui est dans le pays d'Haïti? Représentant compagnie téléphonique qui est en Haïti. Et puis, est-ce que vous pensez ça possible si pas une loi qui est adoptée dans ce sens-là? Merci. Bon. Bien content, compagnie de loi, mais son président, quand il prend l'entrée en fonction pour venir défendre la population, et la plupart du temps, les combats sont faits pour la population, on a fongé pour nous faire. C'est mandat ça que nous avons. Nous venons défendre l'intérêt de la population. On a passé par les lois, on a passé par la Chambre, bien sûr, mais nous allons enclencher le débat en sorte que le peuple a joué ça l'a cherché. C'est pour ça que nous sommes venus avec l'idée ça, nous travaillons sur l'idée déjà et l'y conclut déjà. Au niveau de compagnie téléphonique, nous décidons que nous prenons 5 centimes par minute sur tout appel international. Ça veut dire que nous ne voulons pas les haïtiens souffrir de ça. Nous ne voulons pas le payer pour ça, même leur éducation. C'est lui qui va profiter de lui. Nous faisons gens pour ces gens qui ont des moyens. Les gens qui sont aisés, qui va payer 5 comme ça. Ça veut dire, comme ça, c'est de l'autre bord l'absorti. Les gens qui ont pris les Haïti, sous eux, nous prenons 5 par minute. Et le, nous faisons calcul, nombre de minutes que Haïti recevra par mois, ça fait nous 3,5 millions de dollars que nous avons généré chaque mois pour l'éducation. Compagnie téléphonique, nous avons déjà rencontré avec eux, nous avons dit nous ça. Nous, au travail, au contraire, nous avons essayé de nous retard, ça n'a pas empêché nous de travailler. Nous avons commettre une application, mais nous avons travaillé. Nous parlons avec Digicel déjà. Qui d'accord. Nous parlons avec Haïtel déjà qui d'accord. Nous parlons avec représentants voilà à l'étranger qui d'accord. Au contraire, je t'ai même proposé que nous commençons depuis 1er mai à là. Malheureusement, je ne vais pas apparaître comme président élu en fonction pour m'enforcer le roi ça comme ça. Et le temps aussi de mettre la structure sur pied, le mécanisme. L'apprenons peut-être un autre mois. Donc, son backup effectif, d'après moi, est 1er juin. 1er juin. Sous compagnie transfert, encore une fois, nous allons demander, est-ce que nous avons contact avec eux déjà? Compagnie transfert. OK? Mais plan pour compagnie transfert, nous réglons pas de téléphone non, déjà. Mais plan pour compagnie transfert, c'est que chaque monde qui a fait un transfert, Femme dit nous que compagnie transfert, personne ne peut combien de choses faire. Par année. Nous ne pouvons pas déranger les gens, nous ne pouvons pas faire quoi. Mais dans le but, pour nous voir petit, nous l'école gratis, nous pensons que son droit que nous avons pour nous proposer, pour chaque transfert, pour nous $1. Sous chaque transfert, qui parle directement dans le fonds éducation. Et de là, ça, on multiplie par le nombre de transferts que vous gagnez en moyenne par mois, on va générer 5 millions de dollars. Ça fait déjà 8,5 millions de dollars que nous identifions à travers deux points que nous mentionnons là, que nous gagnons par mois pour l'éducation. 8,5 millions de dollars qui ne parlent rien, parce que nous avons parlé de voyer dans un premier temps. 500 000 timons qui pas l'école actuellement, nous besoin de l'école. Ça, son premier bagaille. Pas oublier que nous dit éducation gratuite pour tout le monde, bien sûr, dans un temps. Dans un autre temps. Nous avons adressé le problème, ça, mais timons qui dans la rue, ça, nous pas oublier ça. Faut qu'à l'école. Faut un bon moyen, possibilité pour l'école.
Ou mande 1,50$ pour diaspora bail, nous bail sur chaque transfert. Yo bail. Qui nous, ou dans diaspora? On compte faire transfert tout. Ah, mon cher. Ah ouais, on fait transfert tout. Non, non, mais oui. Je ne sais pas. Yo bail 1,50$ là. Non, 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 mais ou mande yo bail. Yo bail. Oui, mais est-ce que yo bail? Yo bail. Yo bail. Pourquoi tu dis ça? C'est comme si tu n'as pas le venu? Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Ah, Guy, mon cher. Je ne pas dire ça. Oui, j'ai l'impression. Non, on t'a même tout ça parce qu'on m'a demandé pour nous participer, président. Si tu nous participer, ou dis bail 1,50$ yo bail. Haiti has one of the lowest school enrollment rates in the world, despite a guaranteed right to free education. President Michel Martelly made universal, free, and compulsory schooling a key campaign promise. 2 years after his election, the government says it's made some progress in enrolling more children in primary schools. But officials say they need to take more direct control of existing schools. Up to 90% of them are run by churches, NGOs, or other private groups. The numbers of private schools compared to public schools are too high. That's why we've taken a decision to nationalize 500 community schools. But independent investigators question how many children actually attend classes. They say some students are enrolled in schools that exist only on paper. So when the government is talking about free schools without building them, it's nothing but propaganda, just bluff. The program is also marred by mismanagement, some of it admitted by the government itself. Teachers complain they go for months without being paid, so many have quit. And the quality of instruction is another weakness because the schools operate with almost no supervision. One former education minister says up to a third of the schools being paid by the government haven't even won official approval. There are a lot of mercenaries close to President Martelly who want to tear down the free education program. If he doesn't pull himself together, we, school directors, will not be part of the program anymore. Questions are also being raised about how the school program is being financed. It was supposed to be paid for by a new tax collected on incoming foreign phone calls and money transfers. But Haiti's parliament has never approved those fees. So the money is supposedly sitting in a bank account, unspent and unaccounted for. Prime Minister Laurent Lamont has declared war on corruption, but the government's critics say it can't make much progress without greater transparency, including an open window on its education spending. Tom Ackerman, Al Jazeera.